y baile moviendo quito. Cógeme este pasito y baile moviendo quito. Dame otro poquito, dame otro poquito. Dame otro poquito, dame otro poquito. Cógeme este pasito y baile. C'est vraiment le choc dans cette compétition auquel on va assister. On peut s'attendre à vraiment un gros match entre ces deux équipes. Un salut à tous, on est à Manchester aujourd'hui avec Pierre Ménès en direct de l'Etihad pour assister une fois de plus à ce derby entre City et United. Le plus court déplacement de l'année pour les Red Devils, mais clairement pas l'un des moins difficiles. Non, c'est un derby qui suscite beaucoup plus d'engouement qu'il y a quelques années, quand l'écart, parce que l'écart entre les deux clubs s'est énormément réduit. Dans les années 80-90, les victoires de City, tu les comptais sur le doigt d'une main. Mais aujourd'hui, la victoire est envisageable à chaque derby, comme aujourd'hui par exemple. David Silva, number 17, Kevin De Bruyne, number 7, Raheem Sterling. Alors voilà, une équipe qui devrait jouer comme d'habitude, hein, c'est-à-dire en mettant une grosse pression sur l'adversaire, y compris dans son camp d'ailleurs. Ouais, on a clairement un coach qui a intégré les bases du football moderne, on ne peut pas en dire autant de tous ses confrères. La composition de Manchester United qui s'affiche. Schéma classique en 4-3-3 pour notre équipe. Oui, surtout c'est le même dispositif que l'adversaire. Bon, c'est vrai que le 4-3-3 est énormément utilisé. Attention quand même à ne pas trop libérer d'espace au milieu. Etihad Stadium, Manchester City joue depuis 2003 avec Pierre. Un stade qui rappelle de bien mauvais souvenirs aux supporters du PSG. Qui donne le coup d'envoi de ce dernier mancunien. À Manchester City contre Manchester United, ça y est, on y est. Oh, il s'est ouvert le chemin du but. David Silva, rentré pour un coéquipier. Le gardien dégage le ballon, bien joué. Et le bon pressing qui débouche sur la récupération du ballon. Le ballon est sorti, ce sera en faveur de Man City. Sané. De Bruyne. Sané. Alors la meilleure défense du championnat anglais, eh bien vous l'avez devant vous. C'est celle de Manchester United. C'est vrai que cette équipe est très solide en défense et cela leur permet de bien contre-attaquer quand les joueurs en ont la possibilité. Il y a peut-être moyen de placer un contre, attention. Attention, la passe en profondeur. Bon, attention, c'est pas fini. Et le ballon qui vient heurter la transversale. Ah ça, il avait mis le paquet là. Le roi Sané. Sterling. Agüero. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Une frappe lointaine. Oh là, un petit peu ambitieuse là, peut-être la volée. Ouais, tu vois, là tu es poli. En fait, il s'est complètement déchiré.
Le gardien. Il y va tout seul. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Jesse Lingard. Ça peut être Paul Pogba, le bon ballon en profondeur. Attention à la frappe. Oh, quel manque de lucidité! Mais quel manque de lucidité! Il était face au gardien! Il y a trop de nonchalance dans cette tentative. Lukaku. Et avec la porte qui intervient. Et il envoie le ballon très loin. Le derby de Manchester avec une équipe de City qui a vraiment confirmé ses ambitions et son retour au premier plan en s'imposant à Old Trafford 6-1. Ça avait fait énormément de bruit, on s'en souvient. Ouais, c'était un match assez dingue parce que City a mené 1-0 jusqu'à l'heure de jeu. À la 89e, il y avait encore 3-1 pour City, mais les Red Devils en ont pris 3 de plus dans le temps additionnel. C'est la plus large victoire de City sur le terrain de son voisin. Agüero, le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Ce sera un corner pour Man City. Ah, bien parti, le corner de David Silva. Ça sera de nouveau en corner. Bien appliqué sur ce corner, David Silva. La porte. Fernandinho. Ils font tourner en attendant le tir. Et non, le tir qui est contré. C'est touché par le défenseur. Ce sera un corner. Bien parti, le corner de David Silva. La passe est interceptée. Sterling. Ça passe franchement à côté, hein. Même pas de frisson pour le gardien. De Bruyne. Benjamin Mendy. On s'approche du but. Salut. Il tacle. Il a préféré dégager ce ballon. David Silva. Kyle Walker. Henrik Laporte. De Bruyne. Fernandinho. Aguero. Ah, ils sont nombreux. Il ne faut pas gâcher ce ballon. Kevin De Bruyne. Fernandinho. Kun Agüero qui frappe. Oh, le gardien qui s'en sort bien, hein, sur cette frappe de Kun Agüero. Jesse Lingard. Pogba. Lukaku. Ah, il trouve finalement la touche. Kevin De Bruyne. Benjamin Mendy. De Bruyne. Mendy. Fernandinho. Mendy. Il faut signaler contre Man United. Je crois qu'il va être averti. Oui, un carton jaune, l'arbitre est très clair. Le dégagement pour éloigner le danger. Il est là pour récupérer ce ballon. Attention, ça peut être dangereux. Allez, le centre maintenant. Les deux équipes de Manchester qui font jeu égal jusqu'à maintenant dans ce match alors qu'on arrive à la pause. Ouais, c'est assez serré en effet. Cela dit, il reste encore pas mal de temps. La faute est
pas correct ce tacle et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. Ah, c'est le jaune, c'est le jaune. Il va falloir faire attention à partir de maintenant. Et même s'il n'est pas super bien placé, ce coup franc, il faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Il va jouer un long ballon. Et le gardien, c'est pas fini. Il a été bien placé pour intercepter cette passe. David Silva. Sterling. Kun Agüero. Ah non, là, pas du tout. En croire certaines rumeurs, Alexis Sanchez serait en passe de rejoindre l'AC Milan. Oui, mais personnellement, j'attends de voir ce qui va se passer dans les prochains jours avant de me prononcer. Il peut se passer tellement de choses. Et de l'air pour les défenseurs avec ce dégagement au pied du gardien. Ah, et Pogba qui poursuit son action. Lucho. Oh, le but peut-être. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré. Stokes, Fernandinho, et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Kun Agüero, le tir, et c'est encore. Ça y est, c'est la mi-temps, 45 minutes dans ce match, toujours pas de but, 0-0. Les visiteurs et leur bonne défense qui tiennent le choc dans cette première période. À la pause, le score est nul et vierge. Pour le moment, la défense de cette équipe est fidèle à sa réputation. Rien ne passe. Attention, la passe en profondeur. Bon, attention, c'est pas fini. Et le ballon qui vient heurter la transversale. Ah ça, il avait mis le paquet là. Ça peut être dans Paul Pogba, le bon ballon en profondeur. Attention à la frappe. Oh, quel manque de lucidité. Mais quel manque de lucidité, il était face au gardien. Il y a trop de nonchalance dans cette tentative. Derby de Manchester avec une équipe de City qui a vraiment confirmé ça. Agüero, le gardien qui repousse le ballon, qui écarte le danger. Et la passe est interceptée. Sterling. Ah, ça passe franchement à côté, hein. Même pas de frisson pour le gardien. Kevin De Bruyne, Fernandinho, Kun Agüero qui frappe. Oh, le gardien qui s'en sort bien, hein, sur cette frappe de Kun Agüero. Il faut signaler contre Man United. Je crois qu'il va être averti. Oui, carton jaune, l'arbitre est très clair. Faute, oui, pas correct ce tacle et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. Ah ouais, c'est le jaune, c'est le jaune. Luke Shaw. Oh, le but peut-être. Finalement, ce ballon qui n'est même pas cadré.
Voilà, Manchester City dans un camp, Manchester United de l'autre. Les joueurs sont de retour des vestiaires pour le deuxième acte de cette rencontre. Ouais, une rencontre où tout reste à faire entre les deux frères ennemis. Mais alors, le gardien qui peut facilement s'emparer du ballon. Il avait bien lu la trajectoire. Jesse Lingard, c'est contré hein, par le défenseur, dommage. Neymar. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Romelu Lukaku. Jesse Lingard. Il cherche un coéquipier dans la surface. Bonne occasion de mener au score qui est manqué. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Sergio Aguero. Lukaku. Mendy. Sané. Au nom de la ligne de touche. Et ça donne un petit peu d'air avec ce dégagement. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un... changement. Ça bouge sur le banc. Kevin De Bruyne choisit la frappe. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. David Silva. Sterling. De Bruyne. Non, elle a été interceptée cette passe. Bon, dégagement sans se poser de questions. Sergio Aguero. Ouais, bon ballon à nouveau pour Manchester United. David Silva qui intercepte, qui avait senti le coup. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Équipe adverse impuissante face à cette séquence de possession de balle. Sterling. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Et les deux entraîneurs procèdent à des changements. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. Peut-être qui permet au gardien de s'illustrer sans trop de problèmes. David Silva qui intercepte, qui avait senti le coup. Un bon ballon d'attaque. Kun Agüero. Attention, il peut centrer là. Kai Walker. Il cherche De Bruyne. Ce sera une touche pour City. Un changement semble-t-il demandé par Pep Guardiola. David Silva qui cède sa place à Bernardo Silva, le milieu offensif portugais qui a rejoint Monaco après toute une jeunesse passée à Lisbonne. Fernandinho, Bernardo Silva, Sergio Aguero, le roi Sané. Ils avaient bien l'intention de faire la différence, mais c'est raté pour ce coup-ci. Smalling, Lovren. Neymar. Ah, il est hors jeu, Lukaku. Il va y avoir un changement dans cette équipe de Manchester City, Pierre. Kun Agüero qui cède sa place à Gabriel Jesus, l'attaquant brésilien. Donc on va suivre les premiers ballons. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Les Red Devils à l'attaque. Oh, bien coupé là par le défenseur. Riyad Mahrez. Ah oui, il est passé, joli geste. Techniquement, c'est fort.
Gabriel Jesus. Kevin De Bruyne. Ah, il y est, 1-0. 1-0. Oh, ça pousse depuis le début. Ça a mis du temps à venir, cette ouverture du score. Tout le monde est content. Là, regardez ça, l'entraîneur, les joueurs, il y a un bel esprit dans cette équipe. C'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but. Ouais, belle action, bonne lecture du jeu. Manchester City a pris l'avantage. Manchester City, number 17, Kevin De Bruyne. Jesse Lingard. Neymar. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Le contre qui se rapproche du but adverse. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Kyle Walker. Ah, il perd ce ballon. Allez, il tente la petite passe aérienne. Oh, c'est bien joué, attention. Ah oui, la bonne passe. Oh, le but incroyable. Le but, l'égalisation contre le cours du jeu par une équipe qui n'avait rien montré depuis le début. Eh ouais, tu vois, le foot, c'est cruel parfois. T'es 20 fois meilleur que l'autre et puis tu te fais remonter quand même. Bah, ils ont du bol, les mecs, quand même, là. Le gardien qui ne peut que détourner le ballon dans ses buts. Allez, tout est à refaire, un but partout. De Bruyne, Neymar. La porte. De Bruyne. Un petit coup d'œil au chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ah, le centre qui ne donnera pas grand chose. Il a préféré dégager ce ballon. Ouais, Neymar, superbe ballon dans l'intervalle, attention. Sauf ralenti, on voit que c'est bien arbitré parce que ça va vite et que ça se joue sur rien. Alors le ballon est perdu. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Oh, c'est assez ouvert hein, sur le côté. Attention, l'attaque de Manchester City. Bernardo Silva. Le tir. Gabriel Jesus. Oh, il marque. Oh, le but qui va certainement décider de l'issue de ce derby, vu qu'il reste peu de temps. C'est Manchester United qui est donc mené. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, un peu d'égaliser là. Fantastique parade. Le gardien qui permet à son équipe de garder l'avantage. Oui, si le score en reste là, je crois que tout le monde pourra féliciter le gardien. Il a dégagé, pour écarter le danger. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. L'arbitre a décompté 3 minutes hein, de temps additionnel. Kevin De Bruyne. Attention à la frappe. Ce joueur qui se rate complètement. Trop de précipitation, c'est dommage. C'est quand même un ballon important. Ronaldinho. Allez, par-dessus, pas mal. Le roi Sané. De Bruyne. Le roi Sané. Eh bien centré De Bruyne. Ah, c'est typique. Voilà la fin de la rencontre et la victoire donc de Manchester City. Et quand on affronte une formation rivale, il faut surtout pas perdre et c'est malheureusement ce qui vient d'arriver. Ah, le contexte était évidemment un peu particulier et ça rend cette défaite encore plus dure à accepter. Il faut signaler contre Man United.
crois qu'il va être averti. Oui, carton jaune, l'arbitre très clair. La faute, oui, pas correct ce tacle et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. Ah ouais, c'est le jaune, c'est le jaune. Gabriel Jesus. Kevin De Bruyne. Ah, il y est, 1-0. 1-0. Oh, ça pousse depuis le début. Ça a mis du temps à venir, cette ouverture du score. Allez, il tente la petite passe aérienne. Oh, c'est bien joué, attention. Ah oui, la bonne passe. Oh, le but incroyable. Le but, l'égalisation contre le cours du jeu par une équipe qui n'avait pas... Bernardo Silva, le tir, Gabriel Jesus, ah, il marque. Oh, le but qui va certainement décider de l'issue de ce derby, vu qu'il reste peu de temps. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, il peut égaliser là. Fantastique parade, fantastique parade. Le gardien qui permet à son équipe de garder.